Petite présentation de Benjamin Stambouli, qui devrait bientôt s'engager avec le SDR après la résiliation de son contrat en Turquie. Le milieu de terrain défensif est formé à Montpellier, avec qui il débute en 2010. La saison suivante, il prend une part active sur le titre surprise remporté par le MHSC, qu'il quitte en 2014 pour Tottenham après 130 matchs disputés. L'aventure londonienne tourne court, et après 25 matchs joués, il retourne en Ligue 1 au PSG. En deux saisons, il porte la tunique parisienne à 40 reprises et rejoint Schalke en 2017, pour 133 parties disputées outre-Rhin. C'est ensuite libre qu'il s'engage en 2021 à Demirspor en Turquie, club avec lequel il participe à 93 rencontres. Défensivement, il récupère plus de 4 ballons par match, en intercepte en moyenne 1, et tacle moins d'une fois par rencontre, ce qui explique son total de fautes peu élevé qui est de 0,7 et son faible total de cartons reçus cette saison. Offensivement, c'est un joueur très peu décisif, mais un coup d'œil sur sa heatmap suffit à comprendre pourquoi. Avec ballon, la comparaison avec son prédécesseur Mathieu Siwa ne tient pas. Il ne touche que 41 ballons par match en moyenne contre 58 pour l'ancien Rémois, et réussit en moyenne 75% de ses passes contre 87 pour l'actuel joueur du Stade Rennais, dont 52% pour le jeu long, là où Mathieu Siwa culminait à 70%. Il est rarement suspendu, et les blessures accumulées à Schalke semblent l'avoir laissé tranquille. Par contre, cette saison, il ne passe en moyenne que 70 minutes sur le terrain, ce qui pourrait en faire un joueur en difficulté sur le plan physique, surtout en Ligue 1. Vous l'aurez compris, du vieillissant Stambouli, il ne faut pas attendre le remplaçant de Mathieu Siwa dans le style de jeu. Le Néerlandais était bien plus précis et à l'aise dans son jeu que ne l'est l'ancien Parisien. Et son expérience et son abattage sont des atouts à ce poste. Pour du court terme et sachant qu'en plus il ne coûte rien, je pense ce transfert intéressant. Mais il faudra évidemment partir en quête d'un numéro 6 plus moderne et plus jeune dès cet été. That's Timo.